Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur CC Gaming pour une toute nouvelle vidéo. Et d'ailleurs pour une toute première vidéo, hein. On se retrouve aujourd'hui sur un petit jeu Minecraft, un petit jeu que vous connaissez peut-être, c'est Zombie, un jeu de Hypixel. Hypixel était d'ailleurs un serveur de jeux vidéo très connu. Alors je me présente, moi c'est CC Games, enchanté de vous connaître. Je crée cette chaîne YouTube dans un but simple et précis, c'est que ça me fait kiffer en fait. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup jouer aux jeux vidéo depuis déjà quelques années. Du haut de mon grand âge. Pas du tout, mais bon, c'est pas grave. Donc, j'aime beaucoup les jeux vidéo. Après, j'ai un problème. Et pas des moindres. Ce problème étant que tout simplement j'ai une connexion internet pourrie. J'avais déjà fait cette chaîne YouTube une fois, même une autre chaîne YouTube avec un ami, et je ne peux rien faire. C'est-à-dire que je ne sais même pas si cette vidéo va pouvoir s'upload. Alors, pourquoi est-ce que je continue à essayer? Bah, tout simplement parce que j'en meurs d'envie. Ça me fait kiffer. J'y pense, j'ai limite des frissons. C'est mon kiff. Et quand quelqu'un a son kiff, bah, il veut essayer de le faire, quoi. Et quand il le fait, il le fait, il le fait. J'ai déjà monté des vidéos, j'ai déjà fait, j'ai déjà tourné dans le passé. Mais oh, non, c'est. Alors, vous direz peut-être que la vidéo, cette vidéo est pourrie, hein. Probablement. Mais sachez en tout cas que j'ai pas vraiment d'expérience. J'ai fait des vidéos, mais comme je vous ai dit, elles supplaient pas. J'ai pas d'expérience dans le milieu. Ce qui fait que c'est peut-être pour ça. Bah déjà, j'ai peut-être pas un super micro. Je parle peut-être pas assez fort. Enfin bref, vous voyez le topo, quoi. Sur cette chaîne, vous aurez du gaming. Je peux pas vous faire un planning pour vous dire quand. Ce planning, il est selon. Selon comment mon internet marche ou non. Si mon internet refuse de marcher, bah il n'y aura pas de vidéo, quoi. Puis il n'y en aura plus, même cette chaîne va être condamnée à mourir dès la première vidéo, comme l'ancienne chaîne que j'avais. L'ancienne chaîne que j'avais est tout simplement morte à cause du fait, bah. Que j'arrivais plus à mettre de vidéo. Et c'est très très souvent. C'est très frustrant. Moi j'adore ça. Quand ça commence à plus marcher, c'est vraiment horrible. J'essaie d'aider le mec là-bas au fond. J'essaie de lui sauver un peu les fesses aussi. Malheureusement, il va falloir que je pense à sauver les miennes de fesses parce que j'ai bientôt plus de balles. Comment ça on va pas passer? Hop! Il me reste 5 balles de péteux et 2 balles de fusil à pompe. Pourquoi je chope là? Je prends le fusil à pompe, je prends la balle de fusil à pompe. Bien. Bravo! Bravo mon petit CC Games. Ah oui, au passage, je m'appelle CC Games. Et bienvenue sur la chaîne CC Gaming. Mec, on oublie de dire son propre nom. Mec, tellement concentré sur son truc. Il sait même plus comment il s'appelle. Par contre, là, si j'ai pas de balles, je vais me faire. Je vais aller dans le coin. Je vais me faire. Cassez-vous! Putain, je vais me faire surrendre. Ils seront trop nombreux au bout d'un moment. J'ai plus de balles! J'ai plus de balles! Et merde.
putain, vient de me faire bouffer. On essaie de refaire une partie, donc voilà, je vous disais, cette chaîne YouTube existe uniquement, non pas par mon travail, par le fait que je joue aux jeux vidéo, non, parce que dans tous les cas, j'y joue. Ce jeu, cette chaîne YouTube existe si mon internet le veut bien. Tout simplement. Alors oui, votre écran a freeze, c'est normal, ne quittez pas la vidéo pour ça. C'est tout simplement à cause du téléchargement des textures. Hop. Donc, dans ce mode de jeu, au départ, nous sommes dans un avion. Comme vous pouvez le voir, avec les places des pilotes, etc. On est maximum 24 joueurs et on doit survivre à une horde de zombies. Ces zombies deviennent de plus en plus forts et surtout de plus en plus nombreux. Au départ, ils marchent juste assez lentement. Puis, il y en a qui se mettent à courir d'un seul coup. Ça peut vraiment vous surprendre. Ils spawnent un peu partout, les zombies. Ce qui est un peu pénible par moment. Mais ce qui est marrant aussi, parce que du coup, vous n'êtes jamais vraiment en sécurité. Vous avez ensuite des zombies sur la fin qui se mettent à sauter très 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 loin. Vous pouvez vous faire rattraper. On a rien de temps. Oula, il y a un mec dans les commentaires, les parties en cacahuète. Ah oui, ça refreeze, c'est normal, ça charge. Tout le monde charge, ça charge le pack de texture. Ouh là 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 là. J'arrête de boire un coup avant de faire une vidéo. Hein. Hop, donc là voilà, donc vous avez aussi du ravitaillement. Donc dans ces cas, vous avez des munitions. Si vous n'êtes pas trop bête pour réussir à les attraper, vous avez des munitions, vous avez des balles en tout genre. Oula, the fuck. Vous avez des balles pour vos trois armes principales, c'est-à-dire pour votre pistolet, pour votre M16, pour votre fusil à pompe. Ensuite, vous avez aussi un couteau qui est très puissant, qui one-shot le zombie, mais qui s'utilise assez vite. Donc là, on était dans l'endroit du crash de l'avion. Et là, on est en train de se déplacer. Hop, on va en ville. Donc là, par exemple, c'est la station. Là, je pense qu'il vient de looter la station d'essence avec un magasin. On va vite partir d'ici parce qu'on sera bloqué sinon dedans. C'est comme cet endroit-là. Cet endroit, il est vraiment horrible. Voilà. J'aurais jamais dû venir ici. On va se barrer très très vite. Voilà, ils se mettent à courir très très vite dans ce coup. Et ça, c'est peut être mortel. Vous avez de la nourriture. Hop, c'est donc pour remonter votre barre de bouffe. Et donc pour vous soigner, vous avez aussi un kit de soins. Vous pouvez en trouver dans les coffres. Il trouve un peu de tout dans les coffres, sauf des couteaux. En tout cas, j'en ai jamais vu. Calmez toi aussi là. Vous n'êtes pas obligé de tuer les zombies, mais si vous faites des coins, j'imagine que les coins, c'est l'argent utilisé sur le serveur Hypixel. Donc ça vous fait gagner un peu d'argent. Oula! On va vite se barrer. On me poursuit. Il y en a beaucoup après moi. Oula, petit freeze. On espère qu'il y a un coffre. Il y a un coffre. Après, quand vous connaissez à connaître la map. C'est qui? Non! Mais pas maintenant! L'internet! Mais non! Mais l'internet! Le bordel! Oh, je viens de me faire violer par internet. Ah, oh, c'est un terrain de basket. J'ai jamais vu. J'ai jamais eu le temps d'y voir. Bon, bah voilà. Dans tous les cas, si ce mode de jeu vous a plu, vous pouvez me dire dans les commentaires, vous pouvez laisser un j'aime. Vous pouvez vous abonner là derrière ça. Ça a de la gueule, genre. C'est un terrain de foot. En tout cas, c'est une très belle map. Regardez. Et finalement, elle est assez grande. Pas mal d'endroits là-bas, c'est l'endroit où on était coincé tout à l'heure. Voilà,
On a différents endroits. Ici, c'est la station de gaz. Après, il faut vous rappeler de chaque endroit. Parce que, vous voyez, en haut à droite, il y a marqué sauver dans 3 minutes 14 secondes, 3 minutes 13 secondes, etc. Sauf que ça vous dira un endroit où vous serez sauvé. Donc, par exemple, dans le commissariat, dans l'église. Là, je sais pas trop ce que c'est. Ça dirait des maisons classiques. Voire une grange. Ouais, on dirait une ferme. Là, la station de gaz, ici, il me semble que c'est un home cinéma. Un home cinéma, vous savez, les cinémas en plein air. Ici, vous avez une banque. Ici, vous avez une école, ou une université, ou un collège, je sais plus ce que c'est, high school. High school, c'est le collège, je crois, je sais plus. Et enfin, ici, vous avez, il me semble que c'est la police. Ah, c'est le département de police avec l'église. Voilà, on est revenu au même endroit. Le but est donc de survivre jusqu'à la fin, vous pouvez voir, il y a. À droite, vous avez le nombre de zombies que vous avez tués. J'en ai tué 11. Il reste 3 personnes encore vivantes. On va en avoir une ici. Alors, j'ai fait 11 kills. Très honnêtement, c'est minable. C'est totalement minable. Mais c'est pas grave. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que ce décor vous aura plu. Et peut-être même qu'on en refera de ce mode de jeu. Parce que moi, je l'aime beaucoup. J'espère que j'arriverai à uploader cette vidéo. Un petit pouce bleu. Un petit pouce bleu pour l'upload qui a marché. Ça me ferait extrêmement plaisir. Enfin bref, je vous souhaite de passer une bonne fin de journée, une bonne fin de soirée, un bon mariage, un bon ramadan, une bonne bar mitzvah, j'en sais rien, peu importe quand est-ce que vous regardez cette vidéo, même un joyeux Noël. Oula, c'est une sacrée. Hein. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite de passer de bons moments. Je vous souhaite à bientôt, mais ça va rien. On s'en fout, on s'en fout. Il n'y a plus rien qui veut rien dire. J'ai rien prévu, j'ai rien prévu de dire. J'ai pas d'outro. Quelle merde c'est. Enfin bref. Je vous dis à la prochaine. Allez, bise. Attendez. Juste. Finir par allez, bise. C'est quand même nul, non? Si vous avez une idée d'outro, un truc qui peut être sympa, honnêtement, je veux bien. Parce que, allez bise, ou allez, hein, allez loulou. Oh mon dieu. Allez loulou, c'est bon. Enfin bref. Putain, ça, le vieux radote, il parle tout seul. Enfin bref, je vous dis à la prochaine, je vous fais des bisous. Et à une prochaine vidéo. Et attendez, j'ai oublié comment on quitte le logiciel de montage. Oh mon dieu, Billy, qu'est-ce que tu fais? Ah voilà, c'est bon.